24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu. Je vais vous arrêter au cinéma qui est là à l'agence environnementale. Qui rôle la vieille femme, une vieille qui laisse toute la population sous la pression qui peut enlever un cachet dans le gouvernement. Mais nous tout connaissons qui est là, une balle qui craque finalement, qui nous rentre dans les rangs, mais ça paraît dire qu'il y a une instabilité dans le gouvernement. Depuis bien avant, nous tout y constaté qu'il y a une instabilité dans le gouvernement. Et ça, instabilité-là, naturellement, avec l'événement qui venait là, c'était une plus faux et selon nous, ça pour concilier. Le gouvernement aujourd'hui, il y a un gouvernement radi, un gouvernement, pour moi, je le dis instable, et un gouvernement, à côté de moi, il y a un capitaine, un gouvernement qui parle vers la dérive et au détriment de la population et du pays. Comme un camarade Paul le dit, le verre est dans les fruits. C'est pourquoi maman a dit que la situation là pour continuer pourrie, pour une méfiance qui peut déjà exister. Et je vous connais. Et le Premier ministre publiquement nous dit à lui qu'il n'y a pas faire confiance aucun de son ministre, qu'il est entouré par Manfred et Zida. En fait, si il n'y a pas un ministre qui peut servir sous le gouvernement d'Aliment Boulam, qui est un peu dignité, mais de partir continuer à travailler comme ministre sur l'emploi. Mais pas le dire parce qu'ils ont fait continuer, qu'ils ont trappé, nous tous connaissons qu'ils n'ont pas trappé. À l'intérieur, nous connaissons qui perd un autre président et ça manque de confiance là. Réel, pas seulement le Premier ministre pas faire votre confiance, mais je n'ai aussi pas faire confiance à la Premier ministre. Et maintenant, nous trouvons qu'ils avaient choisir comme Premier ministre en l'absence Kassim Boutan. Et finalement, Rachid Bédiane, qui vous a retourné en toute vitesse, pas qu'il nous donne sa présence dans ma réunion à côté qui supposait être présent dans la mission qui lui tient à aller, parce qu'il a une impression logique qu'il est retourné pour qu'il s'habille par président du Conseil des ministres vendredi dernier. Et nous, au courant aussi, le mot d'ordre travailliste dans la circonscription numéro 18, c'est marginalise Xavier Duval. Et nous connaissons que Xavier Duval prend ça bien mal.
la population bien consciente de tout ce qui peut passer, la population pleine avec l'arrogance dominée de ce gouvernement-là, est montée et nous sentit nervosité qui existe, qui est palpable dans tous les points du pays. Aujourd'hui, il y a un malaise permanent parce que quand on guette la pauvreté, l'injustice, bonne décision arbitraire et irresponsable, tyrannie, l'arrogance, répression, une avion ambulant qui est servi, naturellement, il rend la vie. Beaucoup de citoyens, amers et populations affectées par ça, et certainement, population où manualité bien est une plainte, et où il y a un changement pour qu'il sauve le pays et l'avenir sa personne. En Moulin, une habite d'Avos, sous prétexte qu'il n'a pas du coup l'occasion, cause le blue economy et aussi soigne mal cette détail. Et nous trouvons sur l'arrogance qu'il lui montrait envers l'aime, le double taxation avoidance treaty, une manière d'une maltraite un ministre indien, mais présence d'Amin Ramboulam à Davos, nous pouvons dire dans l'avenir quel taux finalement il pouvait s'appeler là. Ramboulam, il préfère à Davos. Soi-disant que discute de l'économie. Mais nous tous connaissons les Ramboulans qui habitaient de la paix, qui pas un homme d'action. Naturellement, il n'a souvent du tout. Tout le temps, c'est à vous. C'est un grand visionnaire, mais nous tous connaissons que c'est le contraire qui est vrai. Et lui pour faire croire qu'il y a un grand parti là-bas dans l'intérêt pays. Mais nous tout connaissons, et tout ça là, pas pour rapport au pays, et nous sommes bien conscients qu'il sert sa histoire de l'économie là. Juste pour couillonner sa peuple-là, et qui, en réalité, rien de concret par le nain. Là, nous qui venons, la cérémonie fait serment par le président, le nouveau président élu, à Madagascar, comme l'homme toujours le plus important. À Davos et il partit au Lille-Til dans sa présence à Madagascar à sa cérémonie-là. Mais nous connaissons
Madraska, il y a un membre de Séoli. On te connaît dans l'avenir, dans la religion. Vis dans nous l'intérêt qui nous consolide nos relations avec Madagascar. Nous tous connaissons Madagascar, il a beaucoup de potentiel. Madagascar, il a beaucoup de ressources. Madagascar, il a un grand avenir, un grand rôle à jouer. Pas juste pour ce peuple à Madagascar, mais aussi pour la région. Bon, félicite, camarade Paul, qui est le dernier de voir être présent à sa cérémonie récemment là, du président Malgas. Et mon profite de cette occasion là pour féliciter le nouveau président et mon vivement souhaité que Madagascar prenne une sortie de crise politique et ce pays-là pour capable de prendre un nouveau départ qui peut saluer pour le peuple malgache et aussi pour la région. Je souhaite le président et le peuple malgache bon sens pour l'avenir. Je suis content de faire un petit commentaire sur la liste des candidats qui viennent de préparer pour la prochaine élection. Maintenant, dans le commentaire dans la presse, il y a dans la spéculation. Et nous ne nous pas sauver devant la réalité. Puis à l'exercice-là, présente certaines difficultés, nous qui ne reconnaissons plus. Ça paraît dire qu'il y a une solution à ce problème. Qui devant nous. Nous avons une volonté, nous faisons travail dans l'intérêt humain et nous voulons que pour la prochaine élection, nous présentons un candidat valable qui pour consolider l'humain et pour garantir la victoire à l'humain. Moi, je ne fais aucun. Tout rôle-là. Et on a une entière confiance que tout vous termine bien et que quand nous on a dit candidat à peu près, ça va aider nous aussi pour bulldoze les terrains. Pour préparer nous pour le 1er mai et ensuite pour la campagne électorale pour la prochaine élection. Je suis content aussi de faire un petit commentaire de l'autre ici. Je vous dis l'évident, c'est clair. Et tout le monde connaît que quand je travaille sur la campagne pour l'élection, municipal, il y a du monde dans le travail qui est menacé, qui dit que si l'électorat vote pour l'opposition, le gouvernement central, pour faire quoi et pour rendre la vie difficile. Nous aujourd'hui nous trouvons une manière dans un pays démocratique. Soi-disant démocratique, à cause le gouvernement et surtout sa ministre qui avait aimé mal donné son nom. Il y en a du monde qui a dit bien aimé. Mais il y a donc rancunier, pareil comme à ce premier ministre,
Et naturellement, dans une sortie, nous sert quoi? Avec un orbite, nous tout connaît, avec un nouveau salaire, depuis un pardon en plus, l'Oban, municipalité et même dans le district council. Aujourd'hui, nous sommes tous en situation déficitaire financièrement et le gouvernement n'a pas montré du tout bonne volonté. Oui, avec Pierre-Henri, le salaire est augmenté et le gouvernement n'a pas montré du tout bonne volonté, n'a pas fait aucun effort. Pour prendre son responsabilité, pour que la démocratie vraiment en action et qui ban district council et ban municipalité n'a pas trop besoin dans la difficulté. Étant donné externe, du gouvernement imprend plusieurs propositions faire pour la municipalité et tout bonne proposition qui est rejetée par le gouvernement, par les ministres concernés, qui perdit à de mauvaise foi et finalement quand il rejette tout, il impose un trade fee across the board. Et ça, c'est le gouvernement qui interdit la municipalité. Pas qu'il n'y a pas aucun ennemi. Et à l'autre, il n'y a pas de voter à voir. Et pas l'ISA. C'est autre ça. Mais, à tout qui nous trouvait qui peut arriver dans sa pays-là. Combien de décisions le gouvernement est mort à cause, finalement, il trouvait une mauvaise décision. Combien de fois le gouvernement peut être mis en place. Et les forces populations viennent dans la rue pour montrer notre mécontentement, faire pression. Mais là, le gouvernement s'est cerné un peu sur l'esprit et naturellement céder et faire la conception. Mais en même temps, le ministre aimé qu'il dit, il dit, c'est pas la municipalité acceptée. Ils ont des responsables qui ont été imposés ça, très bien. Et elle est là, l'idée pour servir comme ministre, son pouvoir, pour amener une réduction et mettre une taxe raisonnable et convenable. Ça montre où, quel rôle sa ministre a besoin. Est-ce qu'il est digne d'être ministre? Est-ce qu'il est premier ministre? Il n'est pas accepté de manière en bonne décision, de manière que je vais être bonne enfant. D'une façon irresponsable et naturellement faire des honneurs au pays. Finalement, c'est évident. Et sa vérité-là, toute la population reconnaît qu'il s'est le ministre aimé qui transporte
coupable et c'est lui qui est responsable. Ça s'appelle Trinity. Aujourd'hui, nous, on a un gouvernement qui connaît que prend une décision, comme dit anglais. Plusieurs cas nous trouver un derrière nous et à dire by trial and errors, comme dit anglais. Mais un gouvernement n'a pas fonctionné comme ça. Un gouvernement qui fonctionne comme ça fait beaucoup de taux, société, le pays. Et aujourd'hui, Nabil Ramboula, qui déclare lui grand péto, qui fait croire qu'il n'y a pas une meilleure dirigeant qui dit, lui, il refait tout bonnes affaires de grande manière. Pareil que ma bandit à peine. Quelques temps de cela, il fait une déclaration à côté de dire qui est là premier ministre dans ce pays-là, si vous voulez acheter un jet privé pour faire ce grand déplacement. Ah ben, vous ne pouvez pas venir. Vers qui il peut montrer sur les doigts? Mais moi, je pose cause avec du monde. Beaucoup de monde pensait c'est moi qui vais vous aider. Vous voyez, quand je pense qu'il ne faut pas causer l'eau là. Mais finalement, quand beaucoup de monde peut penser que moi qui visais, je ne vais pas rester tranquille parce que dans l'opinion publique, je vais vous dire ah ben, évidemment, mais vous ne restez tranquille, mais pas dire. Votre catégorie pour là, et vous connaissez comment on fait une petite chose si on est derrière Marie ou pour quoi que ce soit, pour prendre vos responsabilités, vous avez si on est derrière lui, ok, c'est un erreur. Mais ça, l'histoire, à ce jet privé pour nos déplacements, jamais ça ne vient dans mon esprit, jamais on pense ça, jamais on pose ça le week-end. Et c'est complètement faux, effectivement. Et moi, vous dire, sa première ministre, ça n'a même pas. Si l'épédisement, ben, il y a un grand manqué, il peut agir comme un mauvais bachara. Maintenant, mon gagnonnaire passe la parole à comme ça. C'est www.maurice-info.mu 100% libre. Camarade de la presse, je te présente encore une fois dans le mouvement de presse. Comment ça va, il y a deux dossiers qu'on reconnaît. L'absence de Jean-Marc Paul dans la conférence de presse aujourd'hui. Et moi, donc, effectivement, on regarde certains commentaires au bien même. Et vu que moi, je suis là, c'est à l'époque d'interview, moi, je suis connu ce déplacement à Madagascar. Et au Québec, et moi-même, nous réjouissons, nous fiers, que le leader de l'opposition a été invité officiellement pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache. Nous doublement fiers parce que Maurice est le seul pays que le gouvernement et que l'opposition ont été invités pour la célébration. Il est clair que le leader de l'opposition et que moi-même a été invité à la cérémonie de par sa proximité qui, comme on le connaît, n'est pas la définière, avec la dirigeante de toute la mouvance politique de la grande île. Et qu'il a invité aussi pour son intérêt constant. Sollicitude inlassable de la situation dans le pays et ce contact avec le dirigeant malgache dans un moment de crise qui est Madagascar qui traversait malheureusement dans le passé.
Maintenant que les élections sont derrière nous, tous les espoirs sont permis pour Madagascar. C'est un nouveau départ pour la grande île, un nouvel espoir pour un peuple qui mérite un avenir qui puisse prospérer. Et dans l'opposition, nous, nous regrettons que le Premier ministre n'ait pas fait présent à sa fonction-là, à cet événement important-là. Et nous considérons que c'était l'occasion ratée, encore une fois, pour consolider notre lien, notre relation avec sa pays voisin. C'est vrai que le Premier ministre à Davos, et là aussi, là, c'est un bout de commentaire de sa présence à Davos, mais on peut le voir à l'air. Donc c'est vrai qu'il dit Davos, mais du bon qui me rappelle ça, le président Michel, de Seychelles, dit qu'il y a Abu Dhabi, aussi il y a une conférence sur une conférence qui a commencé depuis le 18 au 25. Le lien fini aujourd'hui. Le Abu Dhabi Sustainability Week. Et c'est sa conférence-là, qui a une autre conférence, une sideline pour une conférence, le Blue Economy Summit, qui est là le 19 au 20 janvier. Donc le président Michel, qui a une conférence aussi importante que ça, il dit qu'il écoute sur visite pour permettre de rentrer et donc il dit qu'il Madagascar dit pour la cérémonie d'investiture, pareil comme tout le dirigeant de la région, le président de l'Union de Como, l'ancien président Chissano de Mozambique et l'Union de la région. Donc nous regrettons l'absence de notre Premier ministre dans la cérémonie d'investiture. Et le remake, donc, souhaite, comme Charles Wendel, souhaite bonne chance à Madagascar et à son peuple. Et nous appelle de tous nos voeux que ça l'élan de démocratie que Madagascar vivra, continuer de plus belle, et que Madagascar retrouve sa place dans une organisation internationale, au sein de la communauté internationale et qui Madagascar joue son rôle pleinement dans la région et de la sous-région. Donc en attendant maintenant de savoir avec impatience qui sera le prochain Premier ministre, nous souhaitons bonne chance à nos pays voisins. Je peux dire que c'est un nouveau régime, dire que le Premier ministre qui est à Davos, vous trouvez ma dépêche maintenant de pouvoir se rentrer, donc la participation à Davos, une vente, donc le mérite de la Blue Economy, il y a là-bas pour un discours, le Blue Economy. Moi j'ai envie de dire des trois mots là. Parce qu'en vérité, c'est toujours du blablabla. Depuis 9 ans maintenant, à mon grand mouvement, de l'année 2014, 2005 à 2014, c'est 9 ans, maintenant c'est moins que 9 ans, c'est les affaires qui tout le temps, à mon goulard, et le Premier ministre et le gouvernement, maintenant, pouvaient dire qu'en fait, cause de l'économie, qu'ils mobilisent contre l'1.9 millions de kilomètres carrés de ressources humaines, et qui voudrait faire accès au développement dans sa direction. Mais bon, qui nous connaît, on peut dire fait aller là une référence à une Blue Economy Conference qui a lieu aux Émirats. Quand c'est simple, qui co-hoste sa conférence là avec le United Arab Emirates et sa conférence-là, on peut dire qu'il durait le 19 au 20, et vous pensez que c'est bien honté quand nous lire aujourd'hui ce qui est passé le 19 au 20,
l'initiative que CCN nous prend, le leadership que CCN nous prend, l'autre niveau-là, le développement du Blue Economy. Félicitations que CCN nous gagne. Et le président Seychelles, c'est même launch un book appelé de Blue Economy Seychelles, Vision for Blue Horizon. Et le président Michel va faire un extra discours quand il rappelle comment aujourd'hui, pour l'avenir 26, dépend de l'economic sustainability, dépend des océans, et comment nous allons utiliser le Blue Economy comme un outil pour nos développements économiques. Parce que ça c'est 26, c'est dans une coastal state. C'est la 180 délégués qui sont présents dans sa conférence-là. Et on veut dire, le président Seychelles, une des félicitations du ministre, le ministre d'État, en charge de l'énergie renouvelable des Émirats, un monsieur qui s'appelle John Ash, qui est le président la session des Nations Unies, 65e session. Quand il dit qu'on était casse du cycle social, il a fait ceci, le mot un petit pays, un petit État, mais sa grande initiative, grande leadership qu'il veut prendre, pour être, pour dire qu'on pouvait estimer que ben, Small Island Development States. En réalité, nous économies beaucoup plus fortes qu'accentuées que les Seychelles, une population 10 fois que les Seychelles. Et le Premier ministre fait un progrès permanent là, quand Seychelles, il en est beaucoup, beaucoup plus haut que nous, fait 7 de pays, fait 7 de trade pour les autres petits pays. We must not be afraid to set a new trajectory for development on our oceans and seas. Alors, ce qui le président Michel nous dit, et nous avons tout le right policy framework, et comme on dit, nous, malheureusement, nous avons fait blablabla, comme à son habitude, le Premier ministre, il a Davos, pour un discours, mais en ce qui s'agit de la pratique, on le connaît, n'ayant rien va venir dans la domaine là, c'est un pilier qui peut-il recommencer dans une pays social industrie, je te rappelle, qui foirait, la même va démarrer. Et aujourd'hui, mon commencé la même chose que je suis capable de faire, c'est copier ce qui s'est fait dans cette direction. Monsieur John Ash, le président de la 65e session de l'United Nations General Assembly, petit président là-bas, s'appelle Seychelles et Proud Small Island State for its leadership. Je veux congratuler Seychelles et Proud Small Island State for its leadership in keeping the issue of blue economy at the forefront. Ça résume tout. Et résume nos regards, nous, en tant que soi-disant, type de l'océan américain. Ceci dit, je suis content de faire certains commentaires de la situation au sein de l'humain, ça évoque déjà qu'on dit, et les négociations entre les deux leaders de deux parties. Alors, moi, je connais Kamal Kohl et Kamal Farin, une région de nouveau cette semaine, et puis continuer l'exercice en planché récemment pour comment se prépare la liste de candidats pour les prochaines élections. Et comme on l'a étudié la semaine dernière, c'est un exercice qui est particulièrement difficile pour moi-même. Et les exercices ont fait progresser à la satisfaction de nos deux parties. Et comme je le connais, ça a évolué effectivement, il n'est jamais facile pour préparer la liste candidat. Même si le parti concerné n'a pas d'alliance. Même seul, il est difficile pour préparer la liste candidat. Maintenant, au sein d'une alliance, il est évident que l'exercice encore plus délicat, plus difficile que nécessairement. Pour une macadam, pour un obstacle. Et la semaine qui n'est coulée, il y en a malheureusement quelques articles qui viennent paraître,
dans certains boulots qui m'a pris à faire ma discussion là. Moi j'avais dit hein, qu'il a une bonne partie de ce contenu, de ce dans ce qui parle là. Ça va le contenu là sans fondement et fabriqué. Il n'a pas pris qu'il a graissement dedans. Bon, il va député à la même ou bien député MSN. Un journal, il s'est fait là, il va envoyer. Certains noms qu'il mentionnait, certains noms de la député, à la même qu'il mentionnait, ce qui évidemment cause beaucoup de spéculation. Et nous savons qu'il y a aussi, qui, pour ça je parlais d'un journal, qui n'est pas vrai, qu'il y a une décision qu'il vient de prendre, ça va aller au chapon là. Il faut qu'il y ait un numéro 5 pour la 3 candidats à la scène. Le MRM, il a bel et bien l'intention pour mettre son candidat dans sa construction numéro 5. Avec la détérioration sociale et économique dans les pays d'Ondi, là c'est à niveau bien décrit, hein. La circonstruction numéro 5, pareil quoi, n'importe qui le tient construction. Prenable, très prenable pour le lier. Et vous venez dire aujourd'hui, nous tout constater, n'a fait n'a aucune passion travailliste aujourd'hui parmi les états de circonscription. Donc, le président, avec le MSM, dans la suite électorale, dans la circonscription du Premier ministre de niveau 5, et l'exercice qu'il nous délivrait de faire pour prendre encore sur l'État, et évidemment que l'exercice a coûté encore, et le leadership, clairement, pas qu'on finalise, ça veut dire ça, de sitôt, l'exercice pour continuer. On termine aussi, passe rapidement, un thème qui est déjà commenté, le trait de fils. Je me suis déjà convaincu de la situation, et de l'UNE, de l'UNESCO et de l'UNEM, mais rétablissons cet effet. C'est à nouveau, encore une fois, une précédente commentaire d'année là. Mais vous avez rétabli cet effet. D'abord, la démarche augmente le trait fil, le frais de licence à votre commerçant, date avant 2013, en 2012, ou même en 2011, sous l'administration Pratidavaïs PMSD. Le Lord Mayor de Pourri, Mme Tchakouri, fait référence à une lettre datée de 7 août 2012, qui venait d'avoir la mairie. Que le chief exécutif ici de la mairie de Pourri écrit à l'EPS de M. Aimé, tout dialy, le 7 août 2012, it would be appreciated if necessary, I make reference to the made at for the publication of the attached draft copy of the City Council of Corpus Christi for classified trade regulation 2012 in the Gazette of Motions. Donc 2012, la mairie de Pourri sous l'administration travailliste PMSD, écrit à OPS ici, mais Diali fait un arrangement pour publier Ban Trade-Fees, Tasla Trade-Resolution. Mais qui m'a dit, quand le gouvernement prend la décision pour organiser l'élection municipale décembre 2012, quelques mois après, je ne barre pas d'un. Le ministère du gouvernement, filmé que frigo, sa décision donc pour. Impose par une préfise pour un commerçant parce qu'il veut faire l'élection de 10 mois, 3 mois et évidemment de connaître qui s'articule comme d'autres dans la campagne électorale. Première affaire qui nous vient à Pérez. Deuxième affaire, la mairie qui propose, là, en 2013, la mairie, le pôle qui propose au ministre plusieurs moyens, plusieurs formules pour créer la monnaie, pour s'énerver à devenir additionnel. Taxer
taxi, ben, alors, il fait transmettre une vue Canada, ben, le grand conseil récupère pour lui, ben, le containers, etc. Mais le ministre n'aimait pas qu'on acceptait. Puis insister qu'il disait faire très puis soit une sortie, moi je vais publier finalement. Et le Lord Mayor, la Lord Mayor, si dimanche, pas impose sur le fils là, le petit commerce, le ministre n'est pas accepté. Et la mairie qui fait bonne proposition, et sans bonne proposition là, finalement, on est fini revisé à la hausse par le ministère, dans plusieurs cas. Et après que le ministère fait une revise à la hausse dans la proposition de la mairie, c'est le ministère qui fait une gazette, ça va une proposition pour une crise là, parce que c'est le ministère qui est responsable pour gazette finalement une crise. Et une contre-proposition n'a pas une prise en considération et une cassette donc pas très utilisable pour être publiée subséquemment. Le ministre aimé pas capable de sauver le Sanchiba. Il n'est pas capable de gagner. Par commerçant, la population connaît en réalité ce rôle, cette responsabilité dans toute sa saga-là. Et le fait qu'il le maire de Kiafip, Mario Bienvenu, qui peut administrer la ville de Kiafip avec le passe travail, quand il dit publiquement qu'il peut écrire le ministre aimé pour étudier la possibilité de revoir le tarif à la baisse, le clair bien indiqué. C'est le ministre aimé qui fait une décision sur le quantum des avant-trés du fils. Et moi, j'avoue de dire le ministre aimé qui grandit plus rigide encore, qui étale au grand public son mauvais soin, quand il déclarait dans son conférence de presse le mercredi dernier qu'il est disposé à prévoir avant-trés du fils. À la baisse, à condition qu'il va être responsable par la municipalité, accepter qu'on ne prend le taux. Est-ce qu'il s'agit pour le continuer de le ministre de la République, comment ça évolue du bien-être, etc. Pourquoi pas même ça? Sans une patinage, c'est le ministre qui a besoin de faire ça. Le prince qui n'est pas en l'eau, on va dire, depuis commerçant, il y a un petit soulagement à ce problème. C'est du surréalisme, c'est du Maurice, mais la même en boulam. Mais tout ceci montrait le dessin, le plan de le gouvernement central pour mettre 10 mois dans la roue, la municipalité. Dirigé par le RM et le RSM, par le MEC, dans le dessin pour trembler dans une municipalité et pour choisir une nouvelle administration de la municipalité impopulaire. Mais le peuple, quand on a dit qu'il veut voter la radio, quand on aurait réalisé qu'il aimait une réfugie, il se fait un commerçant, il y a son bureau, un bazar, pourquoi? Il y a un peu de ça, il y a un peu de temps pour recevoir ça, donc tout ça là, le peuple, la population, on dit qu'on va en réalité, ça n'a pas de temps, tout ça, tout ça. Finalement, il y a une fois, on a vu que vous avez le jet ski, et je vais nous voir brièvement, le point a été fait par le mec, par le camarade de Bouddha, qui fait certaines déclarations publiques. Et donc le jet ski qui nous tient quasi comme tout pouvoir en 2004, c'est un niveau d'antiministe à l'époque, le gouvernement donc,
avec raison, avec sagesse, qui interdit cette activité-là. Et maintenant, sa décision perverse, qui le gouvernement Abraham prend dans l'intérêt de certains savants protégés, pour permettre le retour de savants anciens dangereux dans le bandido. C'est une décision perverse. Maintenant, nous avons dit qu'il n'y a plus qu'en face, après le Provis, il n'y a plus qu'en face, et Point Jérôme, il s'appelle un diabolique qui fait cause la mort, qui fait cause d'un accident fatal, d'un accident mortel, qui est la mort d'homme dans le passé. Donc, nous avons dit qu'il n'y a plus qu'en face, après le Point Jérôme, il s'appelle un diabolique qui commence à faire des apparitions. Et là, il y a un nouveau jet ski qui fait dédouaner en ce moment, comme dans ce temps. Puis à la douane, qui passe une passe commande, qui attend là, sorti. Et l'appel du remake, c'est qu'il disait que toute la population va prêcher, va présentier, va gêner le grand public, va laser. Moi, je connais, moi, je dis, moi, c'est la seule activité, c'est à l'arrière, le dimanche, il va nous faire. Et le grand public, nous mobiliser pour voir la route à Savane. Activité dangereuse là. Nous dénonçons avec force la décision pernicieuse là et nous faisons campagne au sein de la population pour qu'ils nous arrêtent. Ça va nous passer dans le tilo. Comme vous dire que Valentin est une visa responsable de la mort de votre monde dans le monde là. La parole, Daniel. Ça n'est pas tout à l'heure, tu peux que le ticket d'aller pour bien prêt pour l'avoir le terrain avant le 1er mai. Et si le 1er mai là, c'est sa 1er mai 2014 ou 2015, vous pouvez dire là. Non, c'est pour ça 2015. 2014. Ça veut dire la liste candidat pour. Il vous prie vers bas. Vous m'espérez, ça vous souhaite. Comment tout le fait qu'il s'est présenté à la République a présenté pour ce qu'on a fait? Nous retournons en lien normal là-dedans, comme cet État, ni là-bas, ou dans le pays, vous connaissez les sept que j'ai visité, quand il est présent. Il y a d'autres significations. Nous tout connaissons le président de la République, Maurice. Ce qu'il représentait. Monsieur le président, il faut bien s'agir ça. Ce matin, mon frère Guylaine annule au rayon le renouvellement de taxes sur les jeunes. Est-ce que vous pensez que sa déclaration finalement dans le fait d'ordre de carreau sur finalement ça? Moi aussi, la salle du design en effet, écoutez, si moi-même je suis en place, la police, les finances, moi je pourrais la dire. Écoutez, ce gouvernement irresponsable-là peut faire beaucoup, beaucoup de taux de financial center. Par exemple, si je prends les cas de Jim Lee, ma fausse accusation qu'il perd. Le bonnet qui tombe, ça perd sa secteur-là. Et à ce là l'aide, comment dire, doit nous. Comment dire, l'aide des âges, nous devons nous. Mais un pays ami, outre tout ça, en voulant nous poser, comment dire, du mari, partout. Mais quand il y a une mari ici dans ce coin, mais pas avec un pays comme l'Inde. Vous connaissez une manière de l'agirer dans la partie de français. Moi, je suis mon français périodiquement, hein, si moi je suis dans le plat. Avec le droit de savoir gagner, c'est qu'ils ont mérité. Un petit commentaire le Facebook, notamment ça fait à sa madame là, puis c'est une fake pour faire le point ministre même. Un petit commentaire, c'est
au niveau ban parti politique, c'est pour plus contrôle de ban participants pour pas dévier, surtout avec la campagne électorale qui peut venir la pression pour monter sur moi le ban réseaux sociaux. Ah ben, vous espérez qu'il ne pas servir Facebook pour faire ban politique qui pas bizarre, hein. Vous savez, c'est bizarre. C'est dans l'honnêteté partout, intégrité et une paix d'affaires qui est véridique. Ben, c'est la fin de question. Merci encore une fois pour votre présence. Au revoir et à la prochaine. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.